L'une des étoiles montantes dans le cinéma indien, elle a conquis le cœur de nombreux publics par son rôle de Roshni ou Roshani dans la série Le Gendre Parfait. Aujourd'hui, nous vous invitons à faire un détour dans la vie quotidienne de l'actrice qui joue le rôle de Roshni et découvrir l'histoire derrière sa grande célébrité actuelle. Merci de bien vouloir prendre le temps d'y rester jusqu'à la fin. Générique. Cette ravissante femme qui joue dans la peau de Roshani, aussi connue comme Roshni, dans la série télévisée indienne « Le Gendre Parfait », dans la vraie vie se nomme Neha Sharma. Pour être honnête, puisque Neha est un nom assez commun en Inde, elle a choisi de porter le nom d'actrice en tant que Neha Sharma, qui est unique. Elle est née le 17 septembre 1990 à Delhi, en Inde. Ce qui veut dire qu'elle va bientôt avoir 34 ans cette année, en 2024. Neha est une célèbre actrice et mannequin indienne, active dans l'industrie du cinéma depuis l'année 2010 jusqu'à présent. Parmi ses nombreux rôles populaires à l'écran, elle est aussi très connue pour son interprétation de Roshni dans la série Le Gendre Parfait. En apparence, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, il n'y a pas à débattre, Neha est une femme sublime et le métier de mannequin lui convient parfaitement. Qu'en dites-vous? D'ailleurs, l'année 2017, elle était au deuxième rang parmi la liste des 50 femmes asiatiques les plus sexy selon Eastern Eyes. Comme particularité, l'actrice a un tatouage sur sa main dont l'écriture vient de mots latins qui signifient littéralement « bonne journée » en français. D'après nos sources, l'actrice mesure environ 1m65 et pèse dans les alentours de 50 kg. Issue d'une famille hindoue brahmane, Neha a toujours été fascinée par le monde du cinéma depuis sa plus tendre enfance. Malheureusement, elle a perdu son père à un très jeune âge. Que son âme repose en paix. Avec le soutien de sa mère et les autres membres de sa famille, Neha a continué d'avancer dans la vie afin de rendre son défunt père fier d'elle et elle a réussi. En grandissant, elle a obtenu un diplôme en communication de masse dans un institut local à Delhi. Ses études terminées, poussée par sa passion pour l'art du théâtre, Neha a d'abord rejoint le secteur du mannequinat. Effectivement, grâce à son travail acharné, le soutien de sa famille et l'aide du Tout-Puissant, elle est parvenue à s'intégrer dans l'industrie du cinéma l'année 2010. Pour sa première apparition à l'écran, elle a été vue dans la série intitulée Kaali Ek Agni Pariksha. Comme nous le savons déjà, elle incarne le rôle principal Roshni Patel Khurana et Ragini Desai dans Jamai Raja ou Le Gendre Parfait en français de 2014 à 2017. Plus tard, elle a repris le rôle du personnage majeur Aroyi après l'actrice Alisha Panwar dans Ishq Main Marjavan. Pareil à la plupart des célèbres acteurs indiens, Neha a également joué le personnage majeur dans l'émission populaire Nagin, quatrième partie, aux côtés de l'actrice Jasmine Bassin alias Twinkle de la série Le Combat pour l'amour. Récemment cette année, on la trouve dans la peau du personnage principal Nishi dans le drame surnaturel Suhagan Chudail. La liste est encore très longue. Faites-nous donc savoir dans le commentaire le titre des émissions, clips vidéo
ou autre de ces apparitions à l'écran que vous connaissez. En vérité, Nia est l'une des plus grandes stars de l'industrie du cinéma indien. Non seulement elle est très connue par des millions de fans à travers le monde, elle est aussi très fortunée avec un taux de valeur nette très élevé par rapport à la plupart des célébrités. Parmi ses principales sources de revenus, il y a son métier de mannequin et sa carrière d'actrice. Quand on parle d'apparition publique, l'actrice a déjà joué dans de multiples émissions populaires indiennes, a participé à plusieurs télé-réalités, des publicités et des clips vidéo. Bref, elle a déjà pris part à presque tout ce qui concerne le secteur du divertissement. Quant à ses innombrables récompenses, le prix Indian Telly Awards pour meilleure actrice principale et le Ziegler Awards pour meilleur couple à l'écran avec son co-acteur dans la série Le Gendre Parfait compte parmi quelques-uns de ses exploits. Son rêve est devenu réalité. Étant à présent une grande actrice, elle mène une mode de vie riche et stylée. Sa famille est fière d'elle et son ambition de rendre son défunt père fier est aussi devenue une réalité. Bravo! Niveau succès, celui de Nia semble déjà être à son apogée, mais est-ce que l'actrice a quelqu'un dans sa vie? Est-ce qu'elle est mariée? A-t-elle des enfants? Si oui, combien en a-t-elle? Lorsqu'il s'agit des célébrités, les rumeurs ne cessent de circuler, qu'ils soient vrais ou pas. Concernant Nia, certaines sources ont indiqué qu'elle est déjà sortie avec son co-acteur, Varun Jain, et aussi Kushal Tandon de la série Ekhazarun Men Meri Benahe. Petite note à part, dedans, elle a dû avoir un look de crâne rasé pour son personnage. En revenir sur notre sujet précédent, pour faire taire ses rumeurs, Nia a déclaré via une interview qu'aucun n'est vrai. L'actrice affirme qu'il n'y a personne dans sa vie amoureuse, mais cela ne l'empêche pas d'être une femme heureuse et comblée. En fait, elle veut focaliser son attention sur sa carrière et se mariera uniquement lorsqu'elle trouvera la personne idéale avec laquelle passer le restant de sa vie. En ce qui concerne celui qui joue le rôle de Siddharth Khurana, eh oui, le bel homme est déjà pris. Toutefois, les deux acteurs restent tout de même de très bons amis jusqu'à présent. Mais ne vous inquiétez pas, nous allons vous parler de l'acteur en question prochainement. Pour l'heure, nous souhaitons le meilleur à Nia, tant à sa vie personnelle que professionnelle. Dans la vraie vie, Nia est une femme talentueuse, déterminée, ambitieuse et confiante. Elle est aussi un vrai bourreau de travail qui prend son métier très à cœur. D'après ce que l'on a appris, l'actrice est connue pour être quelqu'un de direct et honnête dans ses opinions. Dotée d'une grande force mentale et physique, auparavant, Nia était une personne hydrophobe qui s'est entêtée à apprendre à nager afin de surmonter sa peur vis-à-vis de l'eau. À part cela, l'actrice aime aussi beaucoup les animaux domestiques tels que les chiens. L'une de ses principes de vie est qu'elle souhaite partager aux autres. Nia nous apprend qu'il faut toujours surmonter ses peurs, peu importe la situation. Selon elle, seule la volonté et la capacité de sortir de notre zone de confort peuvent nous mener vers notre succès. Je suis tout à fait d'accord avec cela. Et c'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur Nia. Pour englober ce que l'on vient de dire,
le personnage principal Roshni dans la série télévisée Le Gendre Parfait, dans la vraie vie se nomme Nia Sharma. Elle va avoir 34 ans cette année, elle est célibataire. C'est une célèbre actrice et mannequin indienne, active dans le cinéma depuis l'année 2010 jusqu'à présent, principalement connue pour les séries Jamai Raja ou Le Gendre Parfait en français, Ishq Mein Marjavan et Nagin 4. Personnellement, je suis impressionnée par son talent, à sa capacité d'interpréter plusieurs rôles positifs ainsi que négatifs, et j'admire sa personnalité. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de celle qui joue le rôle de Roshni dans la série Le Gendre Parfait? Fait-elle partie de l'une de vos actrices préférées? Veuillez écrire dans le commentaire.